Bonjour Madame Nuissin. Comme vous voyez, je suis en train de filmer. Et c'est une occasion pour vous de parler au public parce que je vous surprends. Alors vraiment, vous avez beaucoup de. Vous avez beaucoup là et on vous suit là en direct. Alors, vous avez beaucoup de toiles. Hein. Combien de toiles vous exposez aujourd'hui au Kinam à Pétionville, Madame Nuissin? J'ai l'impression que j'ai plus d'une cinquantaine. Vous avez plus d'une cinquantaine de toiles. C'est pour la première fois, Madame Nuissin. Vous pouvez vous mettre un peu ici, auprès de cette belle femme. Que j'expose. Ce serait intéressant. Oui, merci. Ok, on va vous débarrasser de ce... De ça que nous allons... nous mettre un peu au beau milieu d'ici, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Là, on choisit ici, hein, et cette belle femme qui vous ressemble, n'est-ce pas? Alors, cette femme, c'est sur modèle? Vous avez peint sur motif, Madame Nuissin? Non, je mets mes personnages dans un cadre. Ok. C'est-à-dire, je les compose, je compose mon tableau. C'est un personnage imaginaire. Je peux avoir un personnage, je trace mon personnage à ce moment-là, l'environnement. Je le trouve à partir de mon pinceau et de mon inspiration. Ah oui. Donc, c'est pour la première fois que vous exposez à Okinam. Okinam, c'est la première fois. Ordinairement, j'expose dans des galeries. Mmh. C'est une exposition qui dure 3 jours, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire... Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25. Vendredi 25, ça va durer demain. Et dimanche. Dimanche, le jour de la fête des mères. Le jour de la fête des mères. Alors, pourquoi vous avez choisi ces jours? Dites-moi. En principe, j'ai choisi la fête des mères parce que c'est une fête ordinairement que tout le monde fête avec sa maman, etc. Donc, j'ai beaucoup de fleurs. Je suppose que ça pourra servir. Mais je voulais le faire avant, pour la fête des amoureux, en février. Mais je m'y suis prise tôt tard. Ouais. Nous allons y marcher, visiter l'exposition, Madame Nuissin. Et je remarque au cours de cette exposition que vos personnages, c'est féminin. On ne dirait pas de figure d'homme. Dites-moi, ce choix. C'est pas un choix, ça vient naturellement. Comme je vous ai toujours dit, c'est plutôt je paie la beauté. C'est pas que l'homme ne soit pas beau, mais je cherche toujours l'harmonie et la forme. Et une femme ressemble parfois à une fleur. Oh, j'adore les fleurs, c'est pour ça. Et vous mettez... Et moi aussi, j'ai 4 filles, donc... Vous mettez en évidence les belles choses, hein? Les belles choses, ça. Oui, ça... Et ça me rappelle un poème d'un poète haïtien. Oui. Et ces seins nus qu'on arrache au soleil. Hein? Et oui, vous comparez, Madame Nuissin, oui, les femmes aux fleurs. Oui. Regardons ces roses, ces roses rouges. C'est l'amour vif. C'est ma fleur préférée, les roses. Donc j'adore les roses. Et je peins beaucoup de roses. C'est votre fleur de prédilection. De prédilection. Mais il n'y a pas que des roses que vous peignez, non, Madame je Nuissin. Peins aussi. Vous peignez aussi et d'autres fleurs. D'autres Allons fleurs. Voir ces fleurs-là. Les calas, par exemple. Oh, les calas. Oui. Les calas, ça vous rappelle. J'avais commencé par les calas au départ. Mmh. Les calas. Oui. Ce sont des fleurs qu'on trouve en Haïti. Oui, oui. Mmh. On les trouve ailleurs aussi, mais en Haïti, ici, c'est exclusivement les calas d'Haïti. Ça vient de Pétionville? De Pétionville, oui. Mais comme je vous dis, je place mes calas et je cherche un cadre. Un cadre romantique. Ouais. Vous voyez? C'est ça. C'est la romance. C'est la romance. Et regardez cette femme-là qui porte ses calas. Comme on porterait un fusil sur l'épaule. Hein? C'est une vendeuse de fleurs. Ok. C'est une fleur qui vend des fleurs. Ce sont les fleurs qu'elle vend. Une fleur vend des fleurs. Ah oui, une fleur qui vend des fleurs. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Elle est jolie. Vous aimez beaucoup les plantes. Mais ce que je peins doit être joli. Et les personnages doivent être à mon goût. C'est-à-dire, je suppose, elle est jolie parce que c'est à mon goût.
Dans un, et on visite encore, on mange. Et Madame Luissin, dans l'une des interviews que vous m'avez accordée dernièrement, vous, oui, dites, vous avez dit, l'amour et la beauté, oui, sauveront le monde. Oui, parlons ça. Un peu et de ces deux grands thèmes, n'est-ce, oui, pas, d'amour et de beauté. Comment, qu'est-ce que ça représente dans votre vie? D'abord l'amour, Madame, oui, Luissin. Oui, l'amour, parce que j'ai toujours cultivé ce mot-là. Amour. Ce sentiment. Le sentiment d'amour dans mon cœur, dans ma vie, ça a une priorité, l'amour de ma vie. Et vous peignez avec amour. Je peins avec amour. Il faut que j'aime ce que je peins. Mais il faut que je vois la beauté à travers ce que je peins. Si ce n'est pas à mon goût, je ne continue pas ou bien je refais. Mais vous avez dit que vous ne faites que ça. Peindre, peindre, peindre. Oui, depuis 24 ans. Mais ce n'est pas ma profession première. J'ai été plutôt dans le secteur médical. Ah oui. Mais depuis 24 ans, je fais de la peinture et ça m'aide énormément à vivre, à affronter les problèmes de l'existence, de la vie. C'est ça. Vous aimez beaucoup les enfants aussi, parce qu'il y a les femmes. J'adore les enfants. Les femmes et les enfants. Regardez cette petite-là. Hein? Depuis petite, j'ai le sentiment maternel très prononcé. Parce que j'ai eu des sœurs et frères et je prenais plaisir à prendre soin d'eux depuis petit. C'est ça. Elena.